Je m'appelle Jean-Richard Vaubel, j'habite le quartier du Bois Sauvage. Bonjour, moi je m'appelle Aurore, je fais partie de l'association Préfiguration. Bonjour, je m'appelle Isabelle. Je suis vendeuse indépendante à domicile sur la ville d'Évry. Oui, bah bonjour, je m'appelle Betty, j'habite au quartier des Pyramides. J'habite plus précisément au canal et ça fait 17 ans. Le festival, c'est quelque chose de très intéressant. Ça permet de se retrouver entre voisins et même de faire des connaissances. Et là, pour, dans le cadre du festival Convergence, on propose un arbre à vœux où les gens peuvent mettre, écrire un souvenir qu'ils ont du quartier, du Bois Sauvage ou des Pyramides. Ça fait vivre un peu le quartier. Ouais, il est bien, il y a les jeunes qui s'amusent. Bah, d'abord, c'est la réunion des deux quartiers, Bois Sauvage, Pyramides. On est quand même dans un quartier où on vit quand même dans une forme d'harmonie. De Courcouronnes et maire d'Évry, on se bagarre depuis des années pour casser le cloisonnement, pour ceux qui s'en souviennent, avec Canal 1, Canal 2, Canal 3 qu'on a là. Et là, on essaie de rapprocher les deux quartiers. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on va construire le pôle enfance des deux quartiers à quelques mètres d'ici et le centre social des deux quartiers à quelques mètres de là. Participer à différentes activités, animations. On vit dans un quartier qui est en pleine évolution. Il y a des travaux de renouvellement des quartiers. Il y a eu pas mal de projets immobiliers, des nouveaux immeubles plus modernes et puis de créer un environnement nettement plus intéressant pour le bien-être des habitants. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués, investis, pour faire du bénévolat, pour faire des actions. Un quartier dynamique, un quartier jeune et familial. C'est plus moderne, ouais. C'est mieux qu'avant. Dans ce quartier-là, on a toujours été solidaires. Il y a des choses qui s'organisent, il y a toujours eu des gens qui ont voulu faire des choses, mettre des choses en place. Beaucoup de partage, d'unité. C'est une ville en plein essor. Et faire tomber les barrières, mélanger les quartiers, c'est aussi s'assurer que pour les générations de demain, ils sont habitants d'Évry-Courcouronnes. C'est vrai que les deux quartiers pourront bien s'entendre aussi, au niveau des jeunes et des activités qu'il y aura. Bah, quand je suis arrivée dans le quartier, je ne connaissais personne. Ouais. On a sympathisé avec les jeunes du quartier. Ils sont venus fêter Noël avec nous, malgré que ce n'était pas forcément leur religion. Mais je leur ai expliqué que Noël, c'est pas uniquement une question de religion, c'est un moment de partage aussi. Et ça nous a permis de nous intégrer facilement. Ah bah c'est mieux maintenant, c'est sûr. Hein. Bon, on a tout à proximité. On a la crèche qui est juste là, on a les écoles qui sont à côté, on a les commerces aussi, on a un grand centre commercial qui est génial. Évry est une ville très jeune. Donc de l'humilité, mais aussi beaucoup de volonté. Nos anciens, déjà, c'est de parler de la vie de quartier de nos anciens. Et ensuite, faire cet accompagnement avec la jeunesse. Le vivre ensemble et la paix. Dynamisme, joie de vivre. La joie, le partage. En deux mots, festif et convivial.